Alors attendez, c'était quoi la question? Bonjour à tous, donc je suis Lauroxelle Marion. Je suis étudiante au sein de l'EDSE Business School dans le cadre d'un BTS support à l'action managériale pour lequel j'effectue une alternance au sein de la société ATI. Alors la société ATI, le groupe ATI, est une entreprise de conception et de réalisation de machines spéciales dans l'agroalimentaire. Donc ici, on va concevoir et réaliser de A à Z nos machines. Et on a également une partie gestion des consommables avec les opercules et une partie robotique. Je cherchais un BTS qui reste dans le domaine des ressources humaines et en regardant sur internet dans les alentours de Caen, j'ai trouvé le 2SE. Alors j'ai voulu effectuer un BTS support à l'action managériale car c'est ce qui correspondait le mieux, qui se rapprochait le mieux du domaine des ressources humaines de par l'option collaboration à la gestion des ressources humaines que l'on peut retrouver dedans. Je vois plutôt le métier des ressources humaines comme un métier qui reste dans le social, chose qui m'a toujours animée. Je suis chargée de recrutement, je gère également tous les contrats de nos intérimaires, les formations, je participe à la qualité de vie et des conditions de travail de nos salariés et j'effectue les entretiens professionnels. J'ai aussi une petite partie administrative avec des devis pour les formations, des permis feu, ce qu'on appelle ici, donc c'est des documents pour la sécurité pour nos sous-traitants qui font de la soudure. Alors ça fait un an du coup que je suis ici, donc j'ai eu l'occasion de fêter mon anniversaire et d'être dans les locaux à cette date. Et quelque chose qui m'a marqué, j'étais du coup en rendez-vous extérieur le jour de mon anniversaire et quand je suis revenue sur site, mon bureau était décoré avec des cadeaux pour marquer le coup de mes 20 ans, donc ça m'avait fortement touchée. Gestion des ressources humaines. Je dirais plutôt enseignement professionnel, dans le sens où on peut mettre en pratique tout ce qu'on a appris en enseignement général. Après l'obtention de mon BTS, j'aimerais poursuivre vers un bac plus 3, puis un bac plus 5, toujours dans le domaine des ressources humaines. Je souhaite à tout le monde de s'épanouir dans son travail comme moi, je peux m'épanouir au sein de mon entreprise et si ce n'est pas le cas, oser changer.